Dans cette vidéo, on va se lancer le défi impossible de gagner une motocross avec Giro dans une méga fête foraine. Si tu penses qu'on va réussir, mets un like et abonne-toi. Bonne vidéo. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Salut. Et de Younes. Salut la famille. Donc je leur avais promis depuis quelques jours de les emmener dans une méga fête foraine. Aujourd'hui les gars, je tiens mon engagement et c'est pas fini. Je vais vous faire une deuxième surprise les gars. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Vu qu'en ce moment je suis un peu méchant, j'ai décidé de me rattraper. Myriam, je te laisse 20 euros. Oh Yacine, on y va. Il m'a fanté. Tu veux on partage 10 et 10? Hey, donne 100 euros, dépêche-toi. Crois-le, 100 euros. Donne 100 euros. Ouh. Oh, on égalite, on égalite. Ah, fais voir. Ouh. Ah, mais Yacine, il pleut. Mais est-ce que c'est un problème chez la Côte Familia s'il pleut? Non. C'est comme à la piscine, les amis. Allez, yes. Et en plus, quand il pleut, on peut faire des invocations à Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est faites une invocation. Quand il pleut, les gars, toutes les invocations, elles sont exaucées. Donc, les gars, je fais l'invocation à Allah. Accorde le paradis à tous les abonnés qui regardent la vidéo. Eh, mine. Allez, on y va. Moi aussi, je suis une abonnée, du coup. Ouais. Oui, tous ces abonnés. Mais Younes, tu nous as respecté, c'est une vraie fête foraine. T'inquiète même pas, les reilles, on va se mettre. Du parapluie. Ouais, mais y a pas que toi. Partagez. Passe-moi le parapluie. Écoutez-moi bien. On va sûrement croiser des abonnés, ne me fichez pas la honte. Myriam, arrête. Oh là là. Monsieur, on n'a rien fait, monsieur. Monsieur, il est gentil. Pourquoi il a un truc sur la bouche? Monsieur, il est gentil. Non, il est gentil. Oh, il y a marqué kebab. Je rêve ou il y a un kebab? Il y a un kebab, les gars. Mais hey, commencez pas, ça sera pour la fin, oh, les gars. S'il te plaît, Younes, on peut faire ça, s'il te plaît. C'est quoi ça encore? J'ai jamais été chargé de ce truc. En gros, tu dois piocher des doudous. Oui, bah oui, tu payes 2 euros et pour gagner une peluche, ça va oui, aller. Mais viens, on est dans une méga fête foraine, tu veux faire des trucs ah comme oui, ça. Ah oui, on peut gagner des PS5. Allez, on avance. Oh, viens, on va par là-bas. Oh là 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 là, c'est vraiment. Eh, hey, regarde, il y avait quoi? On a déjà fait ça. Puis on avait gagné un gros truc. Moi je propose, venez, on va découvrir là-bas ce qu'on n'a pas découvert. Moi je propose, pour combien d'euros tu fais la grande roue? Oh non, ça va. Oh là là, non, arrête Myriam, arrête. Et moi j'en ai déjà fait 3 dans ma vie. Il y a une moto. Ouais, il y a une moto. Oh, il y a une moto à gagner. Ah, après on y va. C'est quoi le premier jeu? Nous on y va. C'est quoi le premier jeu, les gars? Wouah! La moto, iPhone. PS5. Et moi j'aimerais bien un iPhone. Vous deux vous avez des iPhones et pas moi. Mais comment on fait pour gagner? Est-ce que vous prenez la moto et vous la regardez? Vous demandez, il n'y a personne, les gars. Peut-être que la moto elle est gratuite. Apparemment, il n'y a personne dans le stand, donc on va faire un tour et on revient à la fin. Dites-vous, imaginons, on gagne une moto. Regardez, il y a un méga truc à crêpes à churros. Non, mais toi, tu penses qu'à la bouffe, toi, c'est un truc de ouf. Nous, on va faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Ayas, combien t'en fais avec moi les autres bonus? Non, ça va aller. Venez, on va regarder là-bas, se trouve, il y a des motos à gagner encore. Gars, il y a un stand de malade. Par contre, il y a marqué moins de 18 ans. Les amis, j'ai pris les choses en main, je vais aller voir comment on fait pour gagner. Wow, c'est une dinguerie. Bonjour. Younes, gagne-moi s'il te plaît une PS5. Gagne-moi une PS5. On va prendre 5 tickets. Ouais, 5 tickets, ça marche, pas de problème. Ça sort les thunes, c'est toi qui paye. Quoi? Wow. Blague, j'espère. Mais allez, paye. T'es le plus grand, t'abuses. Oh là là. Jibal. Ok. Ça va, vous allez bien? Là, c'est toute la mif. Là, c'est toute la mif, là. Oh, faites pas la roue. Vous voulez pas mourir jeune, vous aussi? Ouais, c'est vrai. Waouh. C'est perdu, les amis, c'est perdu. Alors là, il y a deux solutions. Tu peux aussi continuer de jouer pour cumuler. Myriam, on va jamais gagner. Il faut qu'on abandonne. On abandonne. Okay. On a décidé d'abandonner. On abandonne, il n'y a pas de problème. Là, les amis, on a. Là, on a des peluches Mario. Tu veux tenter Mario ou pas? Bah, bien sûr que oui. Ok, c'est combien? 50 centimes, par partie, c'est 1 euro. Ok, je crois que j'ai de la monnaie, c'est 3 euros. 3 euros. Donne-moi 2 euros. Tiens. Myriam qui entre dans la surface de réparation. Myriam qui appuie. Oui, Myriam, s'il te plaît. Mais non. Mais concentre-toi. Les gars, faut être intelligent. Regardez. On avance. Ok. Et là, regardez, là, je suis pile poil en face. Faut appuyer là. Ouais. Allez. Oui. Mais non. Regardez monsieur, eh, dis pas monsieur, c'est la dernière fois que tu dis monsieur. Moi je suis comme vous, je suis pas un monsieur. Je suis pas marié encore. Attends. Elle a abonné les gars, elle a dit. Elle a levé en première la main. Et elle vise le truc Mario, elle est intelligente. Okay. Oh, c'est incroyable. Oui. Il y a une moto encore. Mais il y a que des motos ici. Vous venez gagner une moto au jeu. Mais c'est quoi, c'est quel jeu? Regardez, on peut gagner des Air Force, des téléphones. Les gars, je m'en occupe. Tu t'en occupes? Fais-nous gagner un iPhone. Hey, vous voulez gagner quoi? Un iPhone. Des baskets. La moto, 100 euros. L'iPhone. Non, j'avoue, la moto. Ah, mais la moto, elle est où la moto? On la voit pas. Tu vois pas ici la droite? Le placard de la moto. Ah ouais. La moto et l'iPhone. C'est Myriam. Attends. Ah, maintenant. Mais t'as fait quoi? Pourquoi tu lui as gâché son échec? Son essai. Ok. Oh, mais t'as stacké un second, fais gaffe. Tranquille, elle a le temps. Ouais. Elle tente les 200 euros. Pour les 200 euros, attention. Oh, oh là là. Vu que le kebab à la fête foraine, il n'était pas halal, donc on pouvait pas le manger, Myriam
est venue au magasin de force parce qu'elle a faim et elle m'a dit qu'elle voulait acheter des trucs. Elle a 10 minutes pour me convaincre que je dois lui acheter ça. Première raison, parce que les sushis c'est super bon. Deuxième raison, parce que les sushis c'est pas gras. Troisième raison, parce que c'est très beau au visuel. Et quatrième raison, parce que je t'en voudrais toute ma vie. Oh Younes, je croyais que tu faisais la diète. Hein? Je croyais que tu faisais la diète. La diète? Ouais. Ça sert à quoi la diète? Vas-y, mais ça danse, s'il te plaît. Tu vas grossir, tu vas ça, c'est pas notre chariot. Mais c'est qui a pris ça? Là, on arrive au jeu du fusil. Il a dit le petit frérot que là-bas, on peut gagner. Là-bas, c'est possible. Ouais, il a gagné 2 PS. Ok, il y en a, il a gagné 2 PS5. 2 PS5, il a dit. Tu vas essayer toute seule de gagner ce jeu au pistolet à billes. On peut gagner le maillot de Messi au PSG, même si Messi il est plus à Paris, les gars. Est-ce que tu te sens prête? Tu te sens prête? Bah oui. Vas-y, go, go. Moi, je vais gagner le katana, désolé. Tu vas gagner le katana? Mais tu vas faire quoi avec le katana? J'ai une question, les gars. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont gagné dans ce jeu-là? Non. C'est impossible de gagner? Non. C'est où on tire avec le pistolet? T'as déjà vu quelqu'un gagner ou tirer avec le pistolet? Ah ouais. Bon, nous on y va. Allez, les gars, abonnez-vous. C'est parti pour 10 balles, pas de perdant. Et il faut tirer dans les cibles noires. Tiens, ça à toi. Tu veux le garder en souvenir? Ouais, garde-le en souvenir. Gardez la cible. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Après, les gars, je vous dis la vérité sur ces jeux. Vous pouvez gagner des PS5, mais il faut mettre au moins 100 euros. Il faut faire au moins 20 parties et avoir grave des points. T'as de l'argent? T'as de l'argent? Merci. Sors l'argent, sors l'argent. La dernière fois j'en ai mangé une. Ouais. C'était en Turquie. Après la pomme, on va faire la roue là-bas. Ouais. On fait la roue après la pomme. Mais rien. Non. On n'est pas venu pour rien. C'est ça une méga fête foraine. On fait la roue. Non. C'est rien. Non. T'as quel âge? T'as 9 ans. Non. T'as vécu beaucoup déjà, ça non. y est. Eh hey, mais toi arrête de croire. Hein. Tu vas pas manger hein, parce que toi je vois t'as une crêpe dans la main. Donne non, à Myriam. Je sais, mais à chaque fois on goûte un truc bon à la maison, on dit c'est comme la fête foraine. Eh hey, c'est quoi ça Myriam? Mon bonhomme m'a donné ça. Ah ouais? Elle est grave gentille. Vas-y Myriam, on commence par la crêpe. En vrai, la crêpe c'est basique. Est-ce qu'il a mis beaucoup de Nutella dedans? Est-ce qu'il a fait le creux? Est-ce qu'il a fait le creux où il a été généreux? On va regarder. La crêpe, elle coûte combien? 25 euros? 5 balles. Je l'ouvre un peu. Wesh, comment il a plié ça? Oh là là. Je l'ouvre, mais t'ouvres ma crêpe. Mais ça va en vrai, c'est un peu généreux. Il y a du monde, il y a du monde à l'intérieur. Il y a du monde, hein. Il y a une famille quand même, on peut le dire. C'est pas mal. Il y a une tribu, il y a une tribu. Myriam, tu vas pouvoir tester ça. Une bonne crêpe chaude, on voit la fumée qui s'évapore. Oh là. Non, j'aime pas, c'est timide. Oh c'est là. Malsain, c'est elle malsain. Elle a raison, elle déguste, elle non, tu dégustes. Hein. Tu fais pas partie de la famille si tu manges comme ça. C'est timide. Ok, bah. Voilà, merci. Oh moi, j'ai toujours dit, ceux qui ont le droit de manger ça tous les jours, faites-vous plaisir. Quand vous êtes punis comme moi, si vous voulez rester avec des abdos et des pecs, on peut pas manger ça tous les jours. Donc, quand c'est le moment, faut lui faire la misère. C'est incroyable. Tu sais que... Hey, t'as plus le droit de dire incroyable, ouais, c'est fini. Puni de dire t'as plus le droit de dire incroyable, c'est fini. C'est pourquoi Allez. C'est incroyable? C'est quoi qui est incroyable? Les abonnés, ils veulent savoir si quand ils vont à la fête foraine, ils doivent acheter une crêpe au chocolat ou pas. Tu sais pourquoi c'est incroyable? Parce qu'on dirait, tu sais quoi? On dirait les gâteaux là, à Auchan. Elle a dit, c'est incroyable parce qu'on dirait les gâteaux à Auchan. Mais toi, t'as un palais, toi. T'as toi, un palais d'un enfant de 9 ans. Tu mérites même pas de manger ça. Est-ce c'est que bon, mais c'est bon les gâteaux à Auchan. Mais est-ce que le Nutella, il est bon? Bah oui, ça. D'accord, est-ce que la crêpe, elle est bonne? Elle est un peu trop chaude. D'abord. Elle n'est pas farineuse dans la gorge, ça fait glout glout. Non. Ça glisse. Oui. Voilà, c'est ça, c'est un bon avis. Oh là là, les enfants 2014, ils connaissent que c'est incroyable ou incroyable. C'est les deux seuls mots qu'ils connaissent. La pomme d'amour. Vous savez, c'est quoi la pomme? Moi, quand j'étais petit, je l'ai vu cette histoire. C'est un petit nain, il a donné la pomme à Blanche-Neige, Mskena l'a mangée. Mais c'est une sorcière, ah pas non, un c'est chinin. Une sorcière, elle a fait de la sorcellerie à Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, Mskena, elle était endormie. Dis bismillah. Allez, croque. Wesh, c'est dur, les gars. C'est une pomme ou de la pierre? What? Ah ok, j'ai capté ce que c'était. Fais voir. Regardez, le rouge c'est du sucre. Et à l'intérieur c'est une pomme jaune. Est-ce que le combo sucre-pomme c'est carré? Mais ouais, c'est allongé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? 5,12€, on fait ça, 5,12€. Je sais pas si... Il te reste combien? 4€, je crois qu'il me reste. Les amis, le concept il est simple, on a des anneaux. Et on doit les mettre dans le cadeau qu'on veut. Alors on a quoi? On a pistolet. Là-bas, au fond, PS5. Où tu vois la... Ah ouais, il y a la PS5. Moto, on va viser la PS5 et la moto. J'ai commencé. Oh, tu vois là c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que l'anneau, il est pas complètement en bas. Dis Myriam, à ton tour. Myriam, elle lance à l'aide de ses connaissances. Non, c'est rentré dans la Play 5. Mais c'est pas allé jusqu'au fond. Aïe, aïe, aïe. Myriam, vas-y. Oh, c'est gentil. Ça c'est pour un abonné ça, tu vas tester, tu vas essayer de gagner pour nous la Play 5, tu t'appelles comment? Bilel, s'il te plaît Bilel, gagne une PS5, elle est à toi la Play 5, je te la donne. Allez Bilel, prends ton temps, prends ton temps. Bilel, applique-toi.
Oh dommage, dommage, non c'est dur. Allez Myriam. C'est grave dur son. Dommage, c'est bien, tu l'as touché. Bon les gars, mon dernier, après je vais laisser deux chances à Yacine. Non ! Oh j'ai pas de chance. Oh dommage. Et il en sueur. En vrai, continue. Comme toi. Vise vers le ciel. Bien. Dommage. T'allais gagner un aspirateur pour faire le ménage. Le dernier coup, le dernier coup. Ah. Je pense en 2007, tu peux réussir en 2007. Et avec 5 balles, c'était dur, la famille. Mais en tout cas, merci beaucoup. Oh, c'est gentil. C'est quoi, c'est des pétards. C'est toi qui vas aller prendre les pétards. Parce qu'après, à la maison, on va nous réveiller la nuit. C'est pas la paix. Merci. Allez, merci. Bonne journée, chef. Fais pas de bêtises avec. Hein. Non, il va pas faire. Comment tu fais des bêtises avec des claques, regarde, regarde, regarde ce qui s'est passé. On doit expliquer comment tu fais ça. Ah, on était en train de tirer au pistolet à billes. Ouais. Et je me suis ouvert. Il y a lui, il a tiré dessus. Non, tiré dessus. Non, quand quelqu'un il tire, faut jamais passer. Non, c'est quoi ça, c'est les ballons. Mais c'est pas, j'ai appuyé. Ah, t'as appuyé sans faire exprès. Oh, heureusement que c'était pas un vrai gun, hein. Bah c'est bien quand vous faites, c'est bien de faire des fêtes foraines de temps en temps, c'est pour les petits et tout, c'est super. C'est bon. Vas-y les mecs. J'y arrive jamais. C'est comme ça, regarde. Mais je comprends pas. Tu prends ton doigt, tu mets ton doigt comme ça. Alors en fait, tu mets ton doigt comme ça, tu mets ton doigt et là tu rentres ton doigt et regarde. Mais toi tu t'appelles Myriam, je t'appelle pas Samouraï. C'est comme ça. Non, voilà. Il a raison. Lui. Sinon encore mieux, j'ai encore mieux. Quoi? C'est vrai. Pour faire une petite pause. Un pain au chocolat avec des amandes et à l'intérieur c'est... Ah si, ça sent bon. Ah, c'est les trucs de la galette des rois.